Salut tout le monde! Comment ça va les amis? Team of the Week bien dégueu, parce que du coup, il y avait que Neymar qui pouvait la sauver. Bon, après, t'as Insigne qui peut peut-être servir un petit peu, parce que voilà, lui pour le coup, il est assez méta, parce qu'il est super agile et tout, mais c'est pas fou. Bon, Guerrero, c'est compliqué, parce qu'MG et tout ça, pas assez speed, machin, donc c'est dur. Il y a Goretzka en vrai. En vrai, Insigne, Goretzka, je pense que c'est les deux meilleurs, hein, parce que Goretzka a une carte pas trop dégueu. Bon, Henderson, ça va, mais ouais, ça va, mais bon, c'est pareil, à ce stade de l'année, il y a trop de putain de cartes. Ah, il y a Ricardo Pereira, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a Ricardo Pereira qui, pour le coup, lui a une vraie belle carte aussi, fait partie des bons latéraux cette année, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, Donnarumma, c'est la famille. Et sur le banc, il y a quoi? Il y a rien. Il y a rien de spécial. Non, c'est vraiment l'une des Team of the Week les plus sales. Mollet, c'est pour une Team Ligue 1, après, c'est pareil, on va pas se mentir, c'est léger, Mollet, dans le jeu. Il a pas une carte dégueu, pareil, hein, mais c'est trop léger. Ouais, y a rien qui coûte. Bah, mon pack 3 bouts, je vais le garder, ça c'est clair et net. Arrête de te rassurer, pue la merde. Ah, mais je l'ai dit qu'il pue la merde, je me rassure pas. Là. Ça aurait été juste bien qu'il y ait un petit Neymar. Bon, même si c'est dur à avoir, au moins tu te dis, bon, il y a un gros joueur à choper, on sait jamais. Garde tes packs pour demain, les futurs stars. Je m'en bats les couilles des futurs stars. Headliner, futur star, tout ça, j'en ai rien à cirer, moi. Ça se trouve, je testerai une ou deux cartes, mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse. De toute façon, il y a trop de cartes, là, ça m'a saoulé. Oui, c'est lent. Oui, c'est pas unanime. Dommage. Le fameux Iglesias. Oh, Ronaldo en plus. Vitolo. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 c'est pas lent. C'est pas lent. Oh, baffé. Putain, j'ai cru que c'était une vraie anime. Pizzi. Ah, lui aussi, Pizzi. Qu'est-ce que je l'ai eu cette année? Moi. C'est lent. C'est pas unanime. Ouais, mais j'ai que des Portugais. C'est un truc de ouf. Ils m'ont remis qui? Ah, c'est Carvalho. C'est Portugais et Espagnol en ce moment. J'ai que ça. Hulk. Un petit Nantais. Bon, on avait fait Elite 2 avec la team Brazil. Non, en vrai, Goretzka, Ricardo Pereira. Tu vois, si je fais une team portugaise, Insigne. Donc, c'est les trois à avoir, quoi. Allez. Bon, on a 84, quoi. Nacho, c'est dommage qu'il soit latéral. Parce que pour le coup, même dans l'axe, sa carte est légère. Bon, c'est le 84 de toute façon. Là-bas. Ça va encore faire une vieille blague. Reste là-bas, tire de là-bas. Non, j'avais autre chose. Une vieille expression. Va voir là-bas si j'y suis. Il y a de l'idée. Putain, il a bugué, il a mis du temps là, ça sent bon. Ça sent bon à Chelby. À part Redmond là, il m'a. Ou Wedmon, on doit dire à mon avis Wedmon. Il m'a mis que des joueurs différents. 84, 85, qui est à 86, les gars? Ça sent bon le 86, le prochain. Goretzka, 86. Ah, bah Goretzka ou Pereira, voilà, bah. Allez. Ah. Non, mais je vais prendre Henderson, parce que si je fais une team Liverpool, quoi. Non, mais en vrai, c'est vrai qu'il a pas une carte de ouf dans le jeu. Hein. Il y a des noms, quoi, mais ouais. Non, c'est pas fou, quoi. Bon, les gars, pack 3 bouts, je le garde. Hein. En vrai, tu me diras, j'en ai tellement rien à cirer que... Je peux l'ouvrir, hein. Une icône ou Cristiano Ronaldo? C'est un boost, animation, 84+. Pléa. Bon, on l'a pas eu dans les rouges, mais on l'a eu, là. Ouais. Mais ça peut cacher du monde, Pléa, en vrai. Donc ça, c'est pas mal, parce que ça peut cacher pas mal de monde. Ça peut cacher Waloucis, qu'à 86 boost, peut passer devant un Neymar ou quoi. Je dis une connerie, ou devant Mbappé. Ouais, en vrai, bon, il est pas trop dégueu. J'ai 7 doublons. Mais tu vois, il a caché un plus gros gène, ce que je disais. On a 84. Bon, c'est pas un mauvais pack, quoi. Bon, non, c'est un psych, putain. Et ce Chaka, là. Chaka, il rend fou. Vas-y, je vais l'ouvrir, les gars, vu que je m'en fous un peu. Tranquille, hein, c'est pas grave. Tu vas reparquer Pléa. Bah, ça serait pas le pire. Si j'ai unanime, là, 84+, c'est déjà beau. Il faut déjà unanime. Oui, unanime. Illicic. Je sais plus combien il a. 88, Illicic. Ah ouais, non, en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, je regrette pas de l'avoir ouvert. Je l'aurais gardé pour une plus grosse Team of the Week, j'aurais eu de la merde. Et il peut cacher du monde. J'avoue, c'est le plus gros de la Team of the Week. Mais il peut cacher tout le monde, en vrai. Ouh, quand même, il était pas mal, hein. J'avais Pléa. Ouais, je regrette pas de l'avoir ouvert, j'ai 88-86, alors que c'est une Team of the Week claquée, mais au moins, t'as plus de chances d'avoir les gros gènes, quoi. En vrai, il était pas mal, les Wedman. On s'en sort pas trop mal, moi, je trouve. Non, ça va. Je regrette pas. Franchement, je les aurais gardés pour une plus grosse Team of the Week. J'aurais rien eu, tu vois. Là, au moins, bon. Je fais quel team ce week-end? Je fais ça. Ça se trouve, Martial. Mais elle est belle, sinon, la team, les gars, non? Dans l'ensemble, vous en pensez quoi? Elle est belle. Moi, je la trouve bien, la défense, le milieu. Y a que l'attaque, ouais. Mais après, c'est dur parce que les cartes de légende françaises, elles sont pas ouf offensivement.